Le 1er mars 2022, l'enveloppe de 200 milliards de francs CFA mise à la disposition des établissements de crédit par la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, dans le cadre de ses opérations hebdomadaires d'injection de liquidités, a été entièrement captée par les destinataires. Selon le rapport de l'opération rendue publique par la BEAC, la demande des banques, soit à 316 milliards de francs CFA, a d'ailleurs été largement au-dessus de l'offre. Cette réalité témoigne de l'existence d'un besoin réel de liquidité dans certains établissements de crédit de la zone CEMAC, lesquels doivent faire face à une demande visiblement croissante des financements de la part des entreprises et des particuliers dans un contexte de reprise des activités économiques après la pandémie du coronavirus. La forte demande exprimée par les banquiers le 1er mars 2022 témoigne surtout de l'importance des opérations d'injection de liquidités de la BEAC dans les dispositifs de pilotage de la politique monétaire dans la zone CEMAC. En effet, selon la dernière édition de la lettre de recherche, une publication de la Banque centrale, ces opérations d'injection de liquidités permettent non seulement de financer les économies, de la CEMAC, mais aussi d'éviter au marché interbancaire une exposition au risque de liquidités.